Avertissement, le milieu chauffé est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de bouleurs graves pour l'intervenant. Donc dans cette vidéo, je vais intervenir sur cette chaudière murale qui fuit, qui perd beaucoup d'eau. Donc cette vidéo est la suite de la vidéo show de 131. Alors, dans cette vidéo là, le réducteur de pression avait lâché. On voyait que le mano était cassé, il était monté à plus de 8 bars. Ce qui a vu pour conséquence l'éclatement du robinet flotteur du WC avec tout ce que ça peut entraîner, de la flotte qui gicle partout. Heureusement, il y avait quelqu'un et après pour fermer l'arrivée d'eau générale et en plus le robinet d'isolement du réservoir du WC était HS et ça avait aussi entraîné une très grosse fuite d'eau au niveau de la chaudière murale. Donc, il y a ici un chauffe-eau au gaz que l'on appelle un chauffe-bain. Voilà, si tu marques chauffe-bain, ce sont des chaudières qui ne produisent que de l'eau chaude instantané. Ça ne fait pas de chauffage. Donc, ça veut dire que, bah, comme la chaudière pisse sévèrement, eh bien, il n'y a plus d'eau chaude dans l'appartement. Donc, ça veut dire que, eh bien, si tu veux prendre une douche, c'est une douche froide. Pareil pour la vaisselle, quand il n'y a plus d'eau chaude, c'est la misère. Et dans cette vidéo, je remplace en priorité le robinet flotteur du WC, car euh, elle est constamment au compteur d'eau, ouvrir et fermer la vanne. C'est un peu pénible. Et donc, après, j'avais enchaîné avec la vidéo chaud 232 où je remplace le réducteur de pression et et qui n'accomplissait plus sa fonction entre temps j'ai eu le mécanisme de chasse d'eau qui a lâché car il avait une quinzaine d'années facile donc ça ça a été la vidéo show de 133 et donc après alors deux trois jours pour la première pièce et puis une semaine pour recevoir la deuxième pièce pour réparer ce chaudière là et eh bien donc j'ai reçu les pièces et là je vais réparer ce chaudière donc c'est la chafoto Emory bayard 13 cf son identifiant est à 8 chiffres et les deux premiers chiffres c'est 82 donc je pense que cette chaudière a été fabriquée en 1982. Après on a le 03 donc je pense que c'est le mois de fabrication et après les quatre autres chiffres et eh bien c'est son numéro de série. Donc ça serait une chaudière qui a été fabriquée en mars 1982 et ce qui est rigolo c'est que l'intervention je l'ai fait en mars 2022. Donc entre ces deux dates, il y a 40 ans, c'est une chaudière donc murale au gaz qui a 40 ans de fonctionnement. On le verra, mais cette chaudière a deux grandes pièces d'usure qui a déjà été changée plusieurs fois. Et là, ben, c'est une de ces pièces-là qui a lâché et c'est ce que je vais changer. Donc moi, quand j'entends dans les médias que des gens me disent une chaudière, une PAC ou je ne sais quoi, la durée de vie c'est 15 ans, euh, non, 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 15 ans, euh, c'est la durée de vie d'une bagnole, mais pas euh, d'une chaudière. Là, il y en a une belle preuve, cette chaudière au gaz à 40 ans. Et comme on a pu le voir dans d'autres vidéos précédentes, les chaudières fuel on peut les pousser à 40 ans, 50 ans. Ans. Je veux dire, c'est qu'une chaudière, c'est pas un smartphone, une bagnole, c'est pas un truc que tu changes euh, tous les 10 ans, que ça coûte quand même de l'argent installé, tout ça. C'est un peu comme les toitures, tu vois. La toiture de ta maison, tu vas pas la changer euh, tous les 15 ans. voilà bah, là, c'est pareil. Donc là, vu que c'est moi qui fais l'intervention, je vais vouloir savoir exactement d'où vient la panne. Et une fois que j'aurai identifié la panne, je vais vouloir absolument savoir si les pièces de rechange se font toujours sur cette chaudière-là. Donc même sur une chaudière de 40 ans, il y a des pièces qui se font toujours. Mais je vais en reparler plus loin mais il y en a d'autres sur cette chaudière qui ne se font plus enfin, je vais la réparer pour avoir enfin de l'eau chaude c'est vrai que quand on a plus d'eau chaude on l'apprécie vraiment hein, surtout pour se laver c'est super pratique ça agresse au moins que l'eau froide et aussi pour faire la vaisselle pour virer le gras c'est top à l'eau froide ça marche pas et cette intervention va se faire en deux temps pourquoi parce que j'ai commandé euh, deux pièces la première pièce je l'ai reçue au bout de trois jours et la deuxième pièce j'y dû attendre plus d'une semaine Alors, pour voir exactement d'où sort l'eau euh, de la chaudière, parce que lorsque j'aurais en dessous, euh, je ne savais pas si ça venait euh, d'un raccordement, d'un joint, c'est difficile à voir. Donc, euh, pour vraiment voir d'où sort l'eau, eh il faut enlever le capot de la chaudière. Donc, euh, j'enlève les deux boutons tournants. Donc, il suffit de les tirer. Après, je divise euh, la sorte de petite pièce grise en bas, là je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je divise ça. C'est ce qui tient le capot. Donc, une fois que cette pièce de grise est enlevée, eh bien je peux enlever le capot. Et là, je vois donc tout le bas de la chaudière, et donc je vais pouvoir constater euh, l'origine de la fuite. Donc, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, j'avais isolé l'arrivée d'eau froide au niveau de la chaudière, le petit robinet à droite là, mais il n'était pas étanche. Hein. Donc, là, je rouvre ce robinet pour voir exactement d'où provient l'eau, d'où elle sort. Donc, là, on voit où ça fuit, c'est là, où... là où il y a le trou. Voilà. Donc, la membrane est percée. Donc là on voit ça fuit là, on voit que ça coule par ce trou là là. Donc ça c'est un petit trou d'évacuation hein. parce qu'à l'intérieur là il y a une chambre qui se compresse là. J'avais fait une vidéo il y a quelques années sur cette chaudière là. Donc ce qui a pété c'est la membrane qui est à l'intérieur. Elle a complètement percé suite à la surpression qu'il y a eu. Dans le réseau, car le régulateur de, le, le réducteur de pression d'eau de cet appartement-là a lâché d'un coup. Donc on est passé 3 barres à, à la pression du réseau de ville qui est 8 bars. Et ça a éclaté la membrane. Et ça a aussi exposé le, le robinet fauteur du WC. Donc on voit que, ben, on voit que ça pisse. Bon là encore, j'ai fermé la, le robinet, là j'ai ouvert un petit peu, là. Parce que ça pissait méchamment. Mais euh, voilà quoi. Au début je pensais que c'était un joint qui avait lâché, et puis non. Non, non, c'est la membrane en plastique, là je sais pas quelle matèle elle est faite, qui a lâché. Voilà. On voilà a la chaudière. Donc ça, c'est le genre de truc, quand ça lâche, il t'es pas là, t'as gagné quoi. Là je viens de fermer là, ce robinet d'eau là, donc pareil ce truc il doit avoir 30-40 ans, hein. là j'ai la chaudière, ben on voit que bon ben voilà ça coule plus hein. Ça coule plus mais on... je pense qu'il n'est pas étanche parce que ça coule un peu au niveau du robinet d'eau chaude, donc là je le ferme. Voilà. Donc comme on a pu le voir précédemment dans la vidéo, on a vu où sortait l'eau où était la fuite. Donc on voit que la fuite n'était pas des joints. De jonction entre les organes, mais il y a un petit trou là en haut de ce truc là, comme on a pu le voir. Donc, ça, ça s'appelle dans la documentation la valve à eau. Donc, valve en anglais c'est van, hein. Donc, ça n'a pas été traduit, mais c'est la vanne à eau. Donc, c'est ce qui permet de réguler le débit d'eau chaude. Donc, par rapport à la quantité d'eau froide qui va rentrer dans cet appareil là, à l'intérieur, on va le voir, il y a une membrane et cette membrane pousse une pièce dans le bloc gaz et c'est ça qui va faire la modulation de la puissance de la flamme au niveau du bouleur. Donc plus euh, de l'eau froide passe à l'intérieur, plus le bouleur chauffera l'eau qui passe dans l'échangeur et vice-versa. Moins il y aura d'eau qui passera dans cette vanne, moins le brûleur émettra de puissance et ça chauffera moins. Donc c'est un ensemble mécanique, hein, tout est mécanique, il n'y a pas d'excité là-dedans, c'est un système à l'ancienne. Donc il y a quelque chose qui est hyper important lorsque l'on fait de la chaudière murale, hein, c'est d'avoir accès aux vues éclatées de la chaudière. Parce que comme tu peux le voir, les chaudières murales, tout est petit, tout est compact, et pour accéder aux pièces, eh bien, il faut tout démonter. Mais là, imaginons que tu es en intervention chez le client, s'il faut tout démonter pour voir la pièce qui est pétée, après peut-être que le client va te demander de remonter toute la chaudière pour pouvoir avoir une chaudière à remonter par exemple tu lui fais un devis ça lui plaît pas il veut pas payer donc il veut une chaudière euh... t'es arrivé à les monter tu pars à les remonter donc comme il y a 50 000 pièces dans une chaudière murale euh, c'est bien d'avoir la vue éclatée donc celle là j'ai trouvé sur google hein. mais après quand es en entreprise il y a des applications spécialisées comme ont les fournisseurs de matériel professionnel, où tu as accès à toutes les chaudières qui sont en vente sur le marché et où tu as accès à toutes les vues éclatées des chaudières, Encore cas en France, qui sont disponibles en France. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, c'est là, bah, si tu fais une recherche sur Google, tu vas la trouver. Hein. Donc, là, on voit, c'est une documentation qui a été rééditée, en tout cas modifiée en 2009 et on voit que c'est la sixième édition. Comme j'ai dit, cette chaudière a date de 1982. Donc là, ils ont fait une mise à jour de la doc en 2009. Et donc là, cette doc pour la Bayard 8, 10-13. Moi, j'ai la 13. Donc c'est vu éclater au chaud gaz instantané. Donc, que nous apprend cette documentation bah Déjà, la première chose qui est importante ici. Donc là, on voit tous les modèles de Bayard, leur référence et on voit donc l'année de fabrication, en tout cas le début de la production de ces machines-là. Donc moi c'est 13 ECF et on voit que ben, elles ont été conçues en 1979, à l'époque j'avais un an. Et là on voit que la fin de production de ces machines là c'est 1987. Donc ça veut dire qu'après juin 1987, ils n'en fabriquaient plus. Et là, on est en 2022 et il existe encore des pièces de rechange pour cette chaudière. Donc, quand je vois des fois aussi des, euh, des argumentations marketing de certaines marques, euh, nous vous garantissons vos pièces pour les 10 prochaines années, euh, j'ai envie de te dire, euh, je te fous un peu de moi quand même. Disons, c'est que dalle pour ce genre de machine. C'est pas un four à micro-ondes, c'est pas un aspirateur, une chaudière. Donc, bah, là, on sait que depuis 1987, euh, ce type de chaudière-là, ça n'existe plus. Donc, quand on descend dans la documentation, il y a trois grosses parties. La partie euh, ensemble des gros blocs de la chaudière la partie hydraulique, donc la partie eau. Et la partie gaz donc là déjà on va faire un petit tour euh, sur la partie des gros ensembles Faut savoir qu'à l'époque hein, tous euh, les chauffe eau instantané était basé sur ce principe là donc euh, cette marque là et les autres marques euh, en gros elles se ressemblent toutes pour cette catégorie de chauffe-eau là et pour cette époque là donc là vite fait là ici là le 109 c'est le bouton d'eau froide le 107 donc on voit je a un numéro le 107 c'est le bouton d'eau chaude et là au milieu, c'est le bouton sélecteur de température. Donc, c'est avec ça qu'on règle la température de l'eau chaude. Et en 123, eh bien, on a le bouton gaz. C'est avec ça que on allume la veilleuse et qu'on l'éteint. Donc, ici, on peut voir un petit truc euh, 543 ici, là. Ça, c'est ce qu'ils appellent le thermostat 65 degrés Celsius. Donc, comme on l'avait vu, là, euh, cette nomenclature de pièces, dessus, tu as les trois chaudières. Donc, moi, ça, je ne l'ai pas sur ma chaudière. Pourquoi Parce que ça s'est mis lorsque ta chaudière est raccordée à une. VMC gaz. Hein, bien sûr c'est pas la VMC euh, qui sert à ventiler ton appartement, c'est la VMC qui sert à aspirer euh, les gaz de combustion de la chaudière. Donc elle est passée sur le toit de l'immeuble, c'est dans le collectif, c'est pour évacuer les gaz de combustion. Et on appelle ça une VMC gaz. C'est un thermostat à 65 degrés pour VMC. Donc moi ça je l'ai pas parce qu'il n'y a pas de VMC dans le bâtiment. Où je suis bâtiment qui date des années 70. Donc ici là on peut voir le corps de la chaudière, quoi l'échangeur je vais dire. Le corps de chauffage en 113. Donc ça, par exemple, cette pièce-là, elle ne se trouve plus. Donc ça veut dire que si l'échangeur perce, eh bien, suivant l'endroit où ça perce, tu peux peut-être essayer de le réparer, mais si tu veux changer la pièce, ça ne se fait plus. Sachant que dans cet appartement-là, cet échangeur-là a été changé il y a 10 ans. Donc l'échangeur a tenu 30 ans. Mais voilà, ça, ça a été changé. Donc lorsque l'on descend sur cette doc, on accède donc à tous les repères, à toutes les désignations et surtout à toutes les références de pièces. Et après, on a les différents modèles. 10 CF, 8 VMC et moi j'ai la 13 CF. Donc moi ce qui m'intéresse au niveau des pièces, des références, c'est cette colonne-là. Ce qui m'intéresse, c'est les petits points là, sur cette colonne-là. Donc voilà pour cette partie de documentation. Donc après, on va aller faire un petit tour sur... L'hydraulique, donc c'est ça qui m'intéresse. Donc là, la pièce que l'on voyait dans la vidéo, c'est ça, là. C'est cette chose. Alors, cette chose là, ce qu'ils appellent la valve à eau. Et donc nous, on avait vu qu'il y avait une fuite tout en haut. Donc la partie haute, on la voit pas. Pourquoi Parce que euh, c'est le début du bloc gaz. Et le bloc gaz, on le verra après. D'ailleurs, je peux le montrer. Ici, on a le bloc gaz là. Et on voit que cette partie-là, là, cette partie-là, est vissée sur la partie que je viens juste de montrer. Et la fuite d'eau, elle était de ce côté-là. Là, là. derrière il y avait un petit orifice et ça pissait là donc on voit que ici là donc il y a un gros trou là, on voit qu'il y a ça là. il y a ces pièces là, il y a une membrane en 203, il y a euh, ce petit euh, capuchon et à l'intérieur il y a ce petit piston, ça et là on voit que tout ça là ils l'ont mis euh, entouré de pointillés, pourquoi Parce que ça c'est un kit, tu peux acheter un kit de rechange c'est le 201 et le 201 c'est Réfection Valvao Pochette. Donc, ça, c'est une pièce d'usure de la chaudière. Donc, c'est grâce à cette membrane qui appuie sur ce piston. Ce piston appuie donc à l'intérieur du boga suivant le débit d'eau froide qui passe dedans pour pouvoir la chauffer. Et donc, cette membrane en caoutchouc. Plastique caoutchouc avec le temps, l'eau qui passe constamment dessus, ça va faire de l'abrasion et ça va user la membrane et ça va la perforer. Donc là, ce petit kit, il coûte une vingtaine d'euros, 20-25 euros TTC. On le verra plus tard, j'ai la facture. Mais ça, quand ça perce, et eh bien l'eau, qu'est-ce qu'elle fait L'eau bah, traverse la membrane et ça pisse là. La... On a pu le voir dans la vidéo, on voyait l'écoulement d'eau en permanence. Donc je connaissais un peu ces chaudières-là, mais voilà, donc grâce à la vue éclatée de la chaudière murale, on voit toutes les pièces qu'il y a. Par exemple, ici, là, il faut le savoir, en 207, on a un diaphragme à eau. Un diaphragme à c'est quoi C'est un trou calibré à l'intérieur, passe de l'eau. Suivant le modèle de chaudière, c'est pas le même diaphragme. Donc on peut regarder s'il bouge ou pas. Mais voilà, donc là, on a vraiment accès à tous les joints, euh, la totale. Et il y a une autre pièce qui est extrêmement importante sur cette chaudière là ce bloc-là, le 215. Donc pareil, c'est une pièce d'usure. Pourquoi c'est une pièce d'usure Parce que là, on a un petit piston qui pousse, à l'intérieur, il y a un ressort. Et ce piston maintient en pression la membrane avec le piston, euh, quoi, tout l'ensemble du bloc-gaz, là, quoi qui sert à réguler la puissance qui va passer dans le bloc-gaz. Et donc souvent, quand tu changes cette pochette-là, bah, tu changes, tant qu'à y être, le régulateur d'eau. Sachant que cette pièce-là est plus chère que cette pièce-là. Mais bon, si cette pièce-là, tu la changes tous les 7 ou 8 ans, ça va. Parce que là, là, entre ça et ça, il y en a pour 50 euros. Donc 50 euros, c'est une chose. Changer une chaudière, c'en est une autre. C'est pas le même prix. Donc là, cette pièce-là, comme je sais que c'est une pièce d'usure, je vais la commander. Donc la plus importante, c'est celle-là, car sans ça, t'as pas d'eau chaude. Donc, cette pièce-là, j'ai commandé, je l'ai reçue au bout de 3 jours, commandé sur internet. Et cette pièce-là, j'ai aussi commandé sur internet, par contre, j'ai mis plus une semaine avant de l'avoir. Ça m'a pas empêché de la réparer d'avoir de l'eau chaude, mais j'ai dû réintervenir dessus pour changer cette pièce-là. Et là, ici, en 212, j'y touche pas. Ils appellent ça retenue allumage. C'est ce qui permet lorsqu'on ouvre l'orbite d'eau chaude, c'est au niveau de la libération du case, c'est-à-dire bah, la mise à feu, l'intensité de la mise à feu. Voilà, en gros, c'est pour l'allure de démarrage du brûleur. Si euh, quand elle ouvre l'eau chaude, ça pète, ça fait un petit boom, ça veut dire que là il y a un souci bon là j'ai jamais touché c'est d'origine d'ailleurs on peut même plus y toucher euh, c'est j'ai envie de dire corrodé c'est bloqué donc sur cette chaudière tu as deux pièces d'usure et c'est vendu en pochette réflexion valve à eau et ici ce petit piston là qui maintient tout l'ensemble là, on le verra plus tard en photo en vrai, qui est le régulateur d'eau, donc pourquoi ça se fait toujours 40 ans après, et eh bien c'est simple à l'époque les chaudières murales en gros toutes les chaudières étaient basées sur la même technologie donc il y a plein d'autres marques qui utilisent ce qu'ils appellent la valve à eau là, et le régulateur d'eau et en plus ce sont des pièces qui valent que dalle par exemple comparé à l'échangeur que l'on a vu avant qui ne se fait plus et qui n'est fait que pour cette chaudière là donc ça, ça va être utilisé je pense sur plusieurs dizaines. De marques de chaudière. Voilà, donc là, tu en as pour 50 euros. Donc, après, si on descend on voit la nomenclature de toutes les pièces que l'on a eu précédemment donc là après tu peux appuyer sur pause si tu veux lire ce qu'il y a donc juste pour le 201 réflexion Valvao. donc il y a deux références possibles parce que là comme on peut le voir là il y a plusieurs choisir possibles. donc moi ce qui m'intéresse c'est là où il y a le point sur la 13 CF ici là donc là moi la référence que j'ai besoin donc le 201 voilà ici il n'y a pas de point là il y a un point donc c'est voilà c'est cette référence là qui m'intéresse pour ma chaudière c'est la 70 1 42 20 Et après, pour le régulateur d'eau en 215. Le régulateur d'eau en 215. Donc, pareil, il y a deux modèles. Régulateur pochette. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la dernière colonne. Donc, c'est celui qui termine par 20. Donc, c'est 60-100-120. Voilà. Donc, euh, bah... Une fois que j'ai les deux références, eh bien, soit je mets ça sur Google, puis je vois ce que ça dit, ou alors je vais chez un distributeur de matériel professionnel. Après, comme j'ai déjà dit, suivant sur Qui tombe, soit il te veut te le vendre, soit il prend ta commande ou pas. Je dis ça parce que là, comme j'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, là je fais ça dans un appartement de la famille. Donc j'ai passé quelques jours, manque de bol, ça pète au moment où je suis là. Car sinon, il serait passé comme tout le monde par un professionnel. Donc, après, lorsque l'on descend dans la documentation, on voit toute la partie gaz. Donc, là sur la partie gaz, il me semble qu'il n'y a jamais eu de soucis. Hein. Même que le thermocouple a toujours été d'origine. Donc là, on a toutes les pièces qu'il y a sur la partie gaz. Et après, on a les désignations ici. Donc là, si tu veux lire là, toutes les désignations, tu peux appuyer euh, sur pause. Voyons, sécurité gaz pochette, c'est quoi ça 348 Ouais, 348, ouais, ouais c'est le, le thermocouple. Et euh, cette pièce-là, je sais pas ce que c'est. Parce que là, pour on a la VMC, mais ici, euh, ce modèle-là, il euh, y en a pas. Donc ça, oui, ça peut être aussi une pièce d'usure. Ça peut lâcher un thermocouple. Donc voilà pour toutes les références après qu'est-ce que l'on apprend donc après là on peut voir les pièces du brûleur atmosphérique voilà les pièces ok là on a encore des désignations d'accord et si je descends là après qu'est-ce que l'on a les des abréviations et là on voit la plaque cinétique donc moi comme à date de 82 il n'y a que 8 caractères donc là on voit que là on est sur des modèles 11 caractères 20 caractères et 21 caractères donc voilà pour cette documentation elle m'a permis d'avoir les références exactes des pièces à commander. Donc je rajoute un petit complément d'information. Donc là on avait vu le kit 201 et le kit ici là euh, 215. Donc, il y a d'autres kits, mais bon, là, ça ça me sert à rien. Par exemple, le 217. Le 217, c'est le brise G pochette. Non, ce que je voulais montrer, c'est celui-là, le 241. Donc, je vais zoomer dessus. Donc, là, tu vois qu'il y a toute une gamme de joints, joints toriques. Donc, à noter que j'avais commandé des joints CSC, donc des joints qui encaissent du 120 degrés Celsius. Mais j'avais aussi commandé une boîte de joints toriques, parce que des joints toriques, on a toujours besoin. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc, là, ce que l'on voit, bah, c'est la pièce d'usure. De la membrane, ça je sais, mais comme tu le vois là, la membrane ici, là, qui est déchirée dans cette chaudière, c'est la membrane, donc à qui il y a besoin. Que de changer que cette membrane. Ça, j'ai pas besoin de changer. Ça, ça marche toujours. ça, C'est ça qui est mort. Donc, ce kit-là, c'est le 241. C'est réflexion de partie haut. La référence est 601 0, 0, 1, 17 Donc, ça, c'est pour ma C'est celle-là, ce point ici, c'est cette colonne. Okay, c'est la 13 CFPV, c'est ça. Et donc, ce kit-là, je l'ai trouvé à plus de 50 euros sur Internet, hors frais de port. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça vaut pas le coup. J'ai commandé le bloc entier ici, le 201, et lui, le 216. Vu le prix, je trouve que c'est plus intéressant. Et après, je me suis acheté une boîte de joints, des joints en anglais O ring. Je dis ça parce que sur la boîte que j'ai acheté, c'est ce qui a marqué. Voilà, et je vais rajouter, donc ça je m'en suis rendu compte en faisant la vidéo, à chaque fois on a plusieurs modèles de 13 CF, donc sur ma plaque cinétique on l'a vu, il y a juste marqué barrière 13 CF. Par contre ici on a 1F, 2F, donc on a toujours le PV, par contre là ici on a BP et NAT. Donc NAT c'est gaz naturel, BP c'est butane ou propane. Après le PV et le 1F, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc bien là on a la réponse, liste des abréviations. 1F c'est avec robinetterie et PV, donc ces références concernent uniquement un appareil à puissance variable. Donc, après, au niveau du 1F c'est avec robinetterie, 2F c'est sans robinetterie et 3F c'est avec robinetterie et Tori, une sortie supplémentaire. Donc, j'ai déjà vu des vieilles chaudières murales où. Euh, juste en dessous de la chaudière murale, donc c'était intégré à la chaudière murale, il y avait la robinetterie, donc là toutes, toutes les chaudières murales actuelles, même celles que je suis en train de réparer, il n'y a pas de robinetterie, c'est à dire que bah, le robinet il est au niveau euh, du lavabo quoi. du lavabo ou de l'évier, il faut le rajouter, c'est vendu sans robinetterie, donc dans mon cas, donc 2F c'est sans robinetterie, donc moi j'ai une barrière 13 CF sur la plaque signalétique, mais voilà il n'y a pas le, le reste, donc 2F c'est sans robinetterie, puissance variable, par contre, je suis au gaz naturel. Donc, ça serait celle-là, la Bayard 13 CF 2F sans robinetterie puissance variable gaz naturel et donc la référence de ma chaudière serait le 123 831 donc ça c'est bon à savoir et c'est vrai que sur la plaque c'est pas indiqué probablement parce que oui tu peux le déduire tu peux le déduire tu regardes ta chaudière il n'y a pas de obligatorie et euh, oui par contre euh, quand tu commentes ta chaudière euh, le butane propane et le gaz naturel c'est différent hein. c'est au niveau des injecteurs du gaz c'est pas les mêmes car le poids calorifique du gaz naturel est complètement différent du propane et le butane est aussi un peu différent donc ça c'est bon et je vais rajouter quelque chose de très important voilà, lorsque tu commandes la pochette 201, donc la réflexion va va aux pochettes, je l'avais commandé il y a 6-7 ans pour ce type de chaudière là, et quand tu achetais la pochette, il y avait, en plus de ça, il y avait un tout petit joint de torique à mettre là-haut. Mais c'était vendu avec la pochette car euh, bah, quand tu changes tout, tu changes le joint. Donc, dans cette pochette que j'ai acheté, j'ai remarqué que il n'y a pas de joint de torique. Et alors lorsque l'on regarde le kit en 241, on voit qu'il y a ce tout petit joint-là. Donc je pense que c'est celui-là. Mais bon, je ne suis pas sûr. Par contre, là où je suis sûr, c'est que tu vois que... Dans la vue éclatée, là, tu, les joints, tu les vois, tous les joints ils sont représentés. Hein. C'est ça le but d'une vue éclatée, c'est de représenter toutes les pièces de la chaudière. Et là, c'est la chaudière murale. Mais on voit tout, tous les joints, les cercles, s'il y a, tous les petits trucs sont représentés. Mais là, sur ce kit-là, on voit que on voit pas le joint n'est pas représenté le joint. Là je vois pas de joint et si je vais au niveau du bloc gaz donc là je suis au niveau du bloc gaz donc on voit le ressort, on voit on souhaite le, le, le diaphragme pour le gaz. Voyons le 303 c'est quoi Appui ressort non. Bon, il doit être quelque part là-dedans le diaphragme pour le gaz. Ou euh, l'injecteur gaz. Donc on voit les joints, on voit plein de trucs mais là pareil, on voit le en 330 là, ce qu'ils appellent la réflexion Valvao, il n'y a pas de souci, hein. mais le joint n'y est pas. Donc ça je trouve ça étrange et que le joint n'y est pas sur les vues éclatées de la Choisir donc après il y a une mise à jour. Alors peut-être qu'ils ont fait une mise à jour sur le kit parce que là tu vois ce tout petit joint là, là il est représenté ici. Là. Bon là c'est une autre pièce, hein, mais voilà. Donc sache que il y a 6-7 ans quand tu achetais la pochette pour la réfection de la valve à eau, il y avait cette pièce là qui était vendue, cette pièce là, cette pièce là. Donc ça ça a toujours pas changé, mais il y avait un tout petit joint torique Donc quand tu demandes ça, ben, il faut regarder là dans le trou là où tu enfiles ce... cette pièce là, voir s'il n'est pas au fond. Pour pouvoir le remettre. C'est vrai que quand j'ai démonté, il euh, n'y a pas de joint qui est venu, donc euh, moi euh, le joint j'ai dû le laisser euh, dans sa portée, et puis comme euh, dans le kit il n'y avait pas de joint donc euh, j'ai pas bataillé. Et donc pour illustrer euh, le joint torique, parce que je m'en suis acheté euh, au cas où et euh, pour euh, montrer à quoi ça ressemble dans cette vidéo là, donc, avant de démonter euh, la chaudière, donc de démonter là, le, le bloc euh, de, de valvao, bah, j'attends de recevoir les pièces. Donc, euh, je reçois que cette pièce-là, donc le kit de réfection valvao. J'avais aussi commandé là, le régulateur. Haut, donc sa pochette mais je ne l'ai pas reçu je l'ai reçu une semaine après donc ça c'est le plus important pourquoi parce que dans ce kit là donc ici j'ai la membrane donc c'est ce qui avait lâché sur la chaudière elle avait perforé elle était déchirée donc l'eau passait à l'intérieur après ici là on voit le, le piston là le piston avec la tige donc cette tige là va appuyer sur le bloc gaz à l'intérieur de la chaudière donc à l'intérieur du bloc gaz et là après il y a le, le sorte de, de capuchon je sais pas comment on peut l'appeler donc ça ça va dedans on voit le petit trou ici et ça ça va dessous, là, on le voit, là, ça se met comme ça. Et ça, ça fait... Donc, euh, bah, tout ça, c'est étanche. Alors, comme tu peux le voir sur la photo, dans la pochette, il n'y a pas de jointure. Alors que, comme j'ai dit, il y a 6-7 ans, c'était vendu avec donc pourquoi il a enlevé je ne sais pas donc on va voir plus loin dans la vidéo à quoi ça ressemble un joint torique voilà donc j'ai reçu ma réfection valvao donc là tu peux voir la facture hein. ça m'a coûté 18,50 euros hors taxe quoi la pièce coûte 18 50 hors taxe après il a fallu rajouter 5,83€ de frais de port hors taxe le tout a coûté 29,20€ donc ce qui est dommage c'est que je n'ai pas réussi à trouver donc le kit la pochette réfection valvao et la pochette régulateur haut chez le même euh, j'ai dû prendre deux vendeurs différents donc tu peux constater que même 40 ans après sur une chaudière les pièces de rechange suivant les pièces bien sûr peuvent toujours se faire donc là j'ai mon kit de rechange ma pochette là je contrôle que les organes soient en bon état parce que j'avais peur que la tige ait été pillée pendant le transport car malheureusement le colis c'était pas un carton c'était une enveloppe donc ça va ça s'est bien passé tout est en bon état donc après eh bien la chaudière il faut que je redémonte son capot car bien sûr Lorsque j'ai fait mon diagnostic pour voir d'où venait la fuite, après je l'ai remonté hein, pour pas que les pièces se traînent. Donc euh, j'enlève les boutons, j'enlève cet écrou en plastique gris et après, une fois que le capot est enlevé, j'accède à la chaudière. Donc bien sûr, en bas, je coupe. Je ferme la vanne de gaz. On ne sait jamais. Même si je n'interviens pas sur le gaz, j'interviens que sur l'eau. Donc là, on peut voir une vue en façade. Je vais zoomer dessus. Donc on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Donc c'est ça qui est bien lorsque l'on prend des photos et qu'on fait des vidéos en 4K. C'est que si tu regardes ça sur une TV UHD, donc une TV 4K, tu verras les éléments en très très grand et en très très bonne qualité. Et ça, c'est vrai que ça change le tout. Donc après, on peut voir une vue latérale de la chaudière. On voit tout en bas à droite qu'il y a une grande marmite. Ben, quand tu n'as plus d'eau chaude dans l'appartement, ben, si tu veux te laver, faire la vaisselle, ben, tu es obligé de chauffer l'eau. Après, c'est possible de se laver à l'eau froide, mais comme j'ai déjà dit, c'est extrêmement difficile, surtout l'hiver avec de l'eau à 14 degrés Celsius. Donc après, on peut voir le côté droit comment c'est fait. Donc là, hein, avant de démonter un truc, il faut observer, hein, prendre des photos, si jamais, ça peut servir plus tard au remontage. car on a tendance à vite oublier les choses, surtout quand on pratique pas souvent sur ce type de matériel-là et qu'on fait beaucoup de choses à côté. On a tendance à oublier. Donc là, on peut voir sous la chaudière, on voit bien donc le système de valve à eau, le bloc gaz, le brûleur atmosphérique. Là, une petite photo du côté du brûleur, on voit la veilleuse. Donc sur cette photo, on peut voir que je m'assure de bien fermer l'arrivée d'eau froide, même si, comme j'ai dit, van est fuyard, donc je vais ouvrir. Le robinet d'eau chaude. On voit que ça pisse un peu. Et je vais aller fermer. Au niveau du compteur d'eau éviter les problèmes maintenant que j'ai mon réducteur de pression qui est changé qui est tout neuf ça va le faire donc après euh, je mets une clé pour savoir quelle clé j'ai besoin pour démonter toutes les vis qui est autour là, de la vanne à eau là et c'est une clé de 8 clé plate de 8 et donc la première chose que je fais c'est que bah, je prends ma clé à molette donc c'est là c'est une clé à molette à large ouverture de 50 mm elles sont top clé à molette là car elles sont hyper polyvalentes comparé à la pauvre clé à molette standard qui a une ouverture très faible donc avant de diviser toutes les vis euh, de la valve à eau, là, ben, je défais tous les écrous qu'il y a tout autour. Donc, là, sur la photo, qu'est-ce que l'on voit On voit les deux tuyaux qui vont à l'échangeur. Donc, c'est euh, départ d'eau froide et retour d'eau chaude. Donc, là, comme j'ai pas de joints, je récupère les joints. Donc, quand je dis que j'ai pas de joints, je n'ai pas de joints neufs. Les seuls joints que j'ai, c'est mes joints, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, EPDM, caoutchouc, là. Et moi, je voulais des joints CSC parce qu'ils encaissent des températures jusqu'à 120 degrés Celsius. Il faut surtout pas mettre des joints, là, des saloperies, là. Les joints fibres, là, qui sont que pour l'eau froide, qui se dissout dans l'eau si tu il met de l'eau chaude à l'intérieur du tuyau ça j'ai déjà vu donc je récupère les joints donc j'ai commandé des joints neufs on va les voir après quoi on va les voir après oui on va les voir après mais euh, je mettrai le lien à Amazon où je les ai commandés là dans le descriptif de la vidéo donc là je prends le risque de remettre des joints anciens parce que comme j'ai dit ça fait 2-3 jours qu'il n'y a plus d'eau chaude et quand tu t'as plus d'eau chaude bon voilà même si ça coule un peu là au niveau d'un des raccords si c'est une goutte de temps en temps c'est pas grave au mieux ça pouvoir prendre des douches chaudes et après changer les joints ultérieurement que c'est pareil les joints je les ai commandés mais ça a mis plusieurs jours avant d'arriver donc là, je dévisse l'écrou de l'arrivée d'eau froide et on voit que les diamètres des joints c'est pas les mêmes hein, entre l'échangeur et euh, donc le devant de la valve à eau et l'arrière de la valve à eau. Donc là j'ai fait une petite photo sur ma à molette à large ouverture de 50 mm et donc après il reste l'autre écrou derrière, on le voit là. Juste au-dessus de la vanne gaz qui est fermée, on voit que bah ça c'est le départ d'eau chaude. Donc pour aller dans la cuisine et la salle de bain. Voilà, donc on remarquera qu'en haut là, il y a un écrou qui n'a pas été touché. Donc là où il y a la flèche, bien sûr, cet écrou-là, j'y touche pas, parce que c'est le gaz. Et moi, je n'interviens que sur la partie hydraulique je pense que s'il y a eu un problème sur le gaz sauf si ça avait été le thermocouple eh bien je ne serais pas intervenu du tout que famille ou pas famille euh, j'aurais dit écoute moi je suis pas assuré donc tu contactes un professionnel qui est assuré on sait jamais le gaz il faut s'en méfier le gaz ça peut être extrêmement dangereux car quand il y a une fuite et si ça atteint la limite inférieure d'explosivité et si il y a une étincelle ça explose donc il faut être hyper vigilant avec le gaz Hyper strict, contrôlé, contrôlé, qu'il n'y a pas d'effet. Donc là, j'y touche pas, donc il euh, n'y a pas de souci. Moi, je touche que la partie haut, la partie hydraulique. Donc on le voit à l'écrou où il y a la flèche qui est vissée sur le bloc gaz, c'est là où il y a le gaz. Donc ça, pas touche. Donc une fois que j'ai libéré la valve à eau, là. Je vais pouvoir diviser toutes les vis, donc qui font jonction entre la valve à eau et le bloc gaz. Et lorsque tu as enlevé toutes tes vis, voilà ce qu'il y a. Donc, ça, c'est la partie valve à eau, la partie basse. Hein. La partie bloc gaz, bien sûr, comme je touche pas, elle est toujours à sa place. Donc, là, j'ai fait un petit zoom là, sur cette pièce-là, et on peut voir là où il y a la flèche, euh, ce qu'ils appellent le diaphragme pour l'eau. Là. Et là où il y a la flèche, c'est la pièce que j'ai commandée, que je n'ai pas reçue, c'est le régulateur eau. Donc, cette pièce-là, c'est celle qui appuie en dessous de la membrane euh, et qui appuie aussi sur le piston. Donc à l'intérieur, il y a un ressort. Donc là, on le voit pas mais je manipule avec mon doigt pour voir un petit peu ce que ça dit et je vois que des fois ça reste un peu bloqué. Donc c'est pour ça que c'est une pièce d'usure quand tu changes la pochette à haut tu veux pas être emmerdé, bah, tu changes ça aussi comme ça tu es parti pour 7 8 ans. Les deux se changent en même temps. Donc là, cette pièce-là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas encore. Aussi. Donc après, j'ai pris une photo pour voir l'arrière. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'on voit qu'il y a des flèches gravées sur le corps de la vanne, donc ça c'est le sens du passage du fluide, et là tu peux voir la membrane là de la valve à eau qui est, donc, qui est encore collée là, sous le blocage, donc c'est ça que je vais changer tout l'ensemble, et si je zoome dessus, et eh bien tu peux voir que la membrane n'est pas lisse par rapport à une membrane neuve on voit que c'est rugueux, on voit qu'il manque de la matière, donc on voit qu'elle est usée quand même, elle est usée donc la surpression a dû abréger son espérance de vie, ça l'a déchirée mais je pense que d'ici peut-être un à deux ans, elle l'aurait lâché car c'est une pièce d'usure. Et donc il faut la changer, je pense tous les 7 8 ans, c'est-à-dire qu'en réalité tu la changes que quand elle perce. D'ailleurs, j'ai conseillé au propriétaire de l'appartement d'en commander une autre parce que si dans 7 8 ans elle lâche, peut-être que la pièce ne se fera plus. Et donc là, il sera obligé de changer de chaudière. Donc vu le prix de la pièce, c'est un petit peu con, surtout si c'est ça qui lâche. Donc là, j'ai enlevé la membrane là et ça se voit un peu, mais elle est déchirée là où il y a la flèche là. On voit une fissure, mais on le verra mieux après. Donc, donc là, la membrane, je viens de l'enlever là. Et on voit que la membrane elle est percée. Donc on voit que cette partie là, là elle est vraiment en contact de l'eau. Donc on voit que ça quand même vieillit là, que la membrane est vieille. Donc ça c'est une pièce d'usure de la chaudière, hein. ça c'est clair. Hein. Mais euh, voilà le petit coup de bélier a fait que ça a percé la membrane. Et quand la membrane est percée, bien après ça pisse, ça pisse là au niveau de ce petit trou là de sécurité là. Donc quand ça pisse là, ça veut dire que la membrane est percée. Donc voilà, donc après ça, on voit comment c'est fait. Hein. Cette chose-là, là il doit y avoir un joint là, en principe. Hein. Ouais. Et surtout là ce qu'on voit c'est que ça, là bah, suivant le dibido, tout ça, là bah, ça appuie sur euh, le bloc gaz qui est ici pour chauffer plus ou moins euh, donc, les parce que l'échangeur, ce qu'on le voit là, ici, là, c'est l'arrivée d'eau froide. Donc ici c'est le départ d'eau chaude, donc là on a l'arrivée gaz, et ici donc l'arrivée d'eau froide doit sûrement passer. Il euh, faut voir comment c'est foutu à l'intérieur de ce bloc, hein, mais euh, bon on va dire que l'eau froide passe ici. Ça va ici dans l'échangeur, donc on voit que c'est un tube en cuivre qui entoure euh, cette partie-là et l'échangeur est ici. On le voit, on peut le percevoir là, on peut voir la grille de l'échangeur. Donc, ça, c'est le brûleur. Et après, ça ressort ici, donc, au chaude et ça va directement, là, sur les points de puissage au chaude Donc, ce qui est intéressant avec cette chaudière-là, c'est que vraiment, bon, tout est mécanique, il hein, n'y a pas d'électricité, car ici, on voit que c'est un thermocouple là. Hein. Et donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que tu peux changer, donc, euh, bah, le jeu de membrane, là, ce que je suis en train de faire, là. Tu peux, tu peux tout changer, quoi. Le bloc ici, là, le bloc brûleur, l'échangeur ici, euh, ça c'est des chaudières qui sont réparables. Mais je pense que cette chaudière là doit avoir pas loin de 40 ans. Donc c'est du bon matos. C'est du matos durable. Donc là maintenant, je vais mettre le kit neuf à la place du vieux. Donc sur cette photo, là, tu peux voir la vieille membrane, donc tout ça là, c'est ces trois pièces-là. Et dans la pochette, le kit, donc euh, bah ça c'est le neuf ici, là, là où j'ai ma souris. Donc j'ai mis la tige là à l'intérieur du, du truc. Là, on voit le petit truc qui sort là. Et après, ça, ça se met derrière. Et donc, quand tout est assemblé, ça ressemble à ça. Ici, il y a un détrompeur pour faire la jonction entre la membrane et la partie ici, là, qui est en plastique dur. Et à l'intérieur, il y a le piston là, qui va pouvoir bouger suivant l'eau qui pousse ici, là, avec euh, le régulateur d'eau. D'ailleurs, je pense que c'est le régulateur d'eau, là, qui pousse à cet endroit-là. Là, un petit zoom sur l'ancienne membrane. On voit qu'elle est vachement fatiguée et ici, là, là où il y a ma souris, on voit ici, là, c'est déchiré. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remettre ça dans la valve à eau Ok. Donc là, j'ai récupéré donc euh, l'ancien système. Hein. Donc euh, on voit la valve à eau Alors, la valve à eau, la membrane, le piston. Voilà, tout ça, ça se met comme ça. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, je voulais rajouter un point de précision parce que je m'en suis rappelé après. Donc, comme je l'ai dit, il y a 6-7 ans, quand j'avais acheté ce le kit de réfection, il y avait un tout petit joint torique qui était vendu. Ce jointerie se mettait ici. Là. Donc quand tu démontes ça, si tu baisses ta tête là, euh, sous la chaudière, tu verras que ça, ça rentre dans un, dans un, dans un tube, dans un trou. Quoi. Et tu vois qu'au qu fond de ce trou, là, il y a une sorte de... De trou plus petit hein. d'ailleurs on voit ici là ces petites, ce petit déport là euh, c'est une portée quoi ça rentre comme ça et deux souvenirs donc ça rentre comme ça hein. et de souvenirs le joint là se mettait juste ici là c'est un tout petit joint là donc là je me suis acheté euh, une boîte de joints toriques pour illustrer ça donc ça je pense que c'est normalisé hein, au niveau des dimensions en 3 x 1 4 x 1 donc là les joints toriques en anglais c'est O ring donc là j'ai commandé ça sur Amazon, je mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Bon, Je rappelle que quand tu habites dans la campagne et que tu es loin de tout, Amazon c'est génial. Pourquoi Parce qu'il livre à domicile. Et en plus ça fait économie d'essence. Et vu le de l'essence c'est bon à prendre. Parce que tout le monde n'a pas la chance ou les moyens financiers d'habiter dans des grandes villes, dans des grandes agglomérations. Je rappelle que la ville ça coûte ultra cher. En tout cas si tu deviens propriétaire. La campagne, c'est moins cher, mais le problème c'est qu'en campagne il n'y a pas grand chose quoi. Donc là, on a les joints thoriques, hein. donc faut faire extrêmement attention avec ces joints à pas faire tomber la boîte. Parce que si tu dois ranger tout ça dans les boîtes, euh, car si tu les mélanges tous, euh, bon voilà quoi, c'est euh, à devenir fou pour ranger ça. Donc on voit qu'il y en a qui sont super fins. Donc pour moi, euh, le joint qu'il faut mettre, donc ça serait le 4,5 x 2. Euh, au fait, je rajoute qu'une boîte de joints torique, euh, ça vaut que dalle. Hein. Ça vaut euh, 7-8 euros. C'est un truc de fou. Quoi. Comparé aux joints euh, CSC ou pire euh, CNK, euh, c'est pas cher. Par contre, euh, ça peut vachement dépanner. Donc là, je le mets ici, là, comme ça. Là. Et donc ça, là, ça, je, je pense que c'est celui-là. Je suis pas sûr. Hein. Mais euh, ça, après, il faut que tu regardes sur ta chaudière si le joint y est. Et je pense qu'après tu enfiles le tout et ce joint là, -à -dire, tu vas vite te le voir, quand tu le mets dans, dans la chaudière, ça doit aller euh, au fond du, bah, du trou, là. il y a une portée, ça doit rentrer dedans. Voilà. Ça, c'est du 4,5. Donc si c'est normalisé, euh, je sais que le joint est épais. Donc ça peut être que celui-là. Parce qu'après le 4,1, euh, le 4,1, quoi, le 4,1 Le 4 par 1. Si j'arrive à le prendre, on le voit, il est super fin, il est super fin. Donc ça, ça m'a l'air d'être beaucoup trop fin, ça. Là, je vais le mettre là. Voilà, donc euh, lui, il est fin. Je, je suis sûr quasiment à 100% qu'il était euh, beaucoup, mais alors beaucoup plus épais comme celui-là. Parce qu'au début, je pensais qu'il fallait mettre un 6-2. Un 6-2, là. Mais non, c'est pas un 6-2 parce que, tu vois, là où je le mets, là, ici, ici, le joint ne va pas là. Le joint ne va pas là parce que ça là comme j'ai dit ça rentre dans le tube dans le, dans le trou là je sais plus comment on appelle ça et ça c'est une portée et ça va toucher le haut bah, le, de la pièce en allure là. bon ça après tu regardes dans ta chaudière quand tu le démontes tu verras plus clairement ce que je suis en train d'expliquer là parce que pour prendre en photo j L'intérieur où on enfile cette pièce-là, c'est chaud, très chaud. En tout cas, il m'aurait fallu un appareil qui fasse des photos macroscopiques. Donc, euh, voilà. Donc, pour moi, c'est du 4, 5 x 2 à contrôler sur ta chaudière. Ça, voilà. Donc, à quoi ça ressemble, le truc Après tout ça, il faut l'enfiler. Donc, théoriquement, ça doit rentrer dans le trou. Et si ça rentre pas dans le trou, euh, bah, il faut peut-être essayer avec un autre joint. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 6-7 ans, euh, le kit était vendu avec un joint torique. Et quand tu démontes, j'ai envie de dire, ouais, la valve à haut, euh, regarde bien si le joint torique est présent ou pas dans le trou là où tu enfonces ça. Voilà. Donc voilà le complément d'information que je voulais apporter, très important. Donc là on, là on le voit là. Il y a un trompeurs Comme ça, ça se met. Donc ça ça se met à fond. Donc là théoriquement dedans il y a le tout petit joint qu'il ne faut pas oublier là. Le joint torique. S'il y est. Voilà. Donc là c'est bon là, il n'y a plus qu'à remonter euh... avec ça. Donc là on peut voir que bah, j'ai mis la, la, la pièce en plastique, là, le haut. Que l'on a pu voir dans la pochette Donc là il y a le petit pisson à l'intérieur Donc là on voit ici, il est là le détrompeur Là on le voit clairement, il y a un arrondi là Donc il faut le mettre absolument là-dedans Donc après le piston, comme j'ai dit, ben, on le met à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Donc là ici ça tient tout seul Donc après j'ai mis la membrane Donc c'est pareil, tu es obligé de la mettre là où il y a le détrompeur Et après là j'ai mis le, le bloc de la vanne à eau Et j'ai commencé à mettre une vis derrière Donc là j'ai commis une erreur Je vais en parler maintenant L'erreur, c'est que j'ai laissé les joints ici et derrière. Ce qui fait que mettre une vis devant ben je vais voir que la vis va être en biais et donc si je veux visser il faut que je force et ça c'est pas bon du tout car c'est un coup à tout bousiller au niveau du filetage parce que ça là il faut le visser entièrement à la main et après avec la clé de 8 tu vas serrer en quinconce pour faire le serrage mais toute la première partie se fait à la main donc si à la main tu peux pas le faire c'est qu'il y a un souci et le souci c'est les joints derrière qui me font chier et je rajouterai que pour faciliter le démontage ultérieurement. Il faut graisser un petit peu les vis, ce que je n'ai pas fait là, car je n'avais pas de graisse. Donc soit tu mets de la graisse pour les joints, de la graisse silicone, mais c'est toujours bien de graisser, surtout que là c'est la partie froide. Quoi ici c'est la partie froide, ici sera la partie chaude. Là on le voit le détrompeur. Je zoome dessus, il est ici. Donc sur cette photo on peut voir la membrane. Donc, on voit que cette partie-là va se mettre ici. Et c'est là où il y a le diaphragme dont j'avais parlé lorsque l'on a vu la vue éclater de la chaudière. Et pourquoi je l'ai enlevé bah Comme j'ai dit, tu vois ces gros joints-là. Ça, c'est des joints CSC. Et on voit qu'ils sont épais. Je zoome dessus, donc cette surépaisseur là de 2-3 mm fait que bah lorsque je veux visser mes vis de l'autre côté, elles se mettent en biais et le filetage est fragile, donc tu forces, tu peux le casser. Donc à moins d'être à deux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui pousse la vanne à haut et l'autre qui visse, euh, le mieux c'est d'enlever les joints. J'ai été obligé d'enlever les joints, parce que comme j'ai dit, tu vis ici, tu prends ta clé d'huile, tu forces en biais, tu peux bousiller tout le filetage. Donc là c'est la catastrophe, parce qu'après ça veut dire qu'il bah, faut retaroder, voir la pièce est morte, il faut la changer. Donc ces joints qui sont épais, c'est des joints CAC, il faut les enlever. Donc moi je récupère euh, les vieux parce que j'ai pas encore reçu les nouveaux. Mais il faut savoir qu'ici, c'est l'arrivée d'eau froide. Et bien ici j'aurai une fuite. C'est-à-dire que une toute petite fuite, toutes les 60 secondes, j'ai une goutte de d'eau qui va couler là. Donc ce joint-là, je suis obligé de le changer. Et donc quand j'aurai mes joints, et bien je changerai les 4 joints qu'il y a ici. Et lorsque tu vires le joint, bah, tout de suite tu gagnes 2-3 mm. Ce qui fait que... Au niveau du trou là pour mettre la vis, eh bien, tu es dans l'axe ici et donc tu es dans l'axe sur tous les autres trous. Donc après, tout se vis à la main et à la fin, on serre en quinconce avec la clé de 8. Bien sûr, il ne faut pas perdre les joints parce que je vais les réutiliser parce que je n'ai que ça. Donc à noter que pour remonter ça, hein, pour pas le monter en force, hein, parce que quand tu vis, hein, si tu le montes en force, tu peux niquer les filetages Il faut absolument enlever les joints à l'arrière. Là, on peut voir les joints. Donc là, j'ai pas de joint gros rechange. J'en ai commandé, mais je vais mettre ça. Je vais remettre ça. ou pas, parce que comme les joints sont épais là, si tu forces, tu peux visser la tige de biais et bousiller le filetage. Donc là, j'enlève les joints et là, maintenant, je vais pouvoir visser les vis tranquillement à la main, ce qui est pas possible avec les joints. Et après, serré une fois que tout ça sera serré, alors à ce moment là, je pourrais mettre les joints. Sans qu'il y ait un risque pour l'appareil. Après, une fois que j'ai serré à la main, après il ben, n'y a plus qu'à serrer avec la clé là et le faire en diagonale, un serge en diagonale. Et puis voilà. Donc comme on peut le voir cette photo, je serre avec ma clé de 8 les vis donc je serre en diagonale donc ça va prendre un certain temps et une fois que c'est bien serré c'est à dire qu'après il faut vraiment forcer très fortement pour serrer encore plus donc je serre mais je serre pas non plus comme un bourrin à éclater le filetage ou la vis hein. donc une fois que le serrage est terminé eh bien il va falloir rajouter les joints mais là ça risque rien parce que la valve à eau est serrée donc je peux pousser un peu les tuyaux voilà je peux un peu tout pousser de 2-3 mm pour y passer un joint il n'y a pas de souci, la vanne ne bougera pas. Donc voilà, j'ai serré euh, tout le tour, donc jusqu'à temps que euh, bah ça serre bien, hein, bien sûr. Hein, quand tu serres ça, il faut pas serrer ça comme un point. Hein, parce que là, tu peux péter le filtre, tu peux tout péter. Donc là, c'est assez loin à faire, parce qu'il faut faire le tour. Mais là, c'est bon. Là, là j'ai serré. C'est pas peine d'aller plus loin. Maintenant, il va falloir que je remette les joints à l'arrière. Ça, ça va être plus difficile. Mais là, là, comme tout est serré en principe je vais pouvoir... j'ai la place pour mettre les joints voilà parce qu'avec le joint tu peux pas serrer correctement ça sinon tu peux visser les vis en biais et tu peux tout casser donc euh, maintenant je vais mettre les joints ici, 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 ici tout resserrer et après mettre en haut voir si c'est étanche ou pas alors, je remets les joints et après, je serre les écrous dans un premier temps à la main. Et une fois que tout ça c'est fait, donc que les quatre joints sont mis, après, je vais serrer avec la clé à molette que j'ai. Bon, ben là, j'ai tout serré. Bon, là, cette vanne-là, elle est pas étanche, elle est fermée, mais elle n'est pas étanche. Donc, bon, ça devrait, je vais dire ça quand je viens ça, quand je vais remettre en eau, ça devrait donc, quand même remplir un petit peu. Donc là. Là, on voit qu'il n'y a pas d'eau, je ferme tout. Donc là, je vais ouvrir le général de l'appartement. Allez, on va voir s'il si y a une fuite. J'espère pas, mais bon. Voilà. Je vous hein, ça, ça coule. Voilà. ok. Voilà. Là, je vais couler. Donc là, ça purge. Donc là, il y a de l'eau froide. C'est bon. Là, il y a de l'eau chaude. C'est l'eau chaude, l'eau coule. Attends, je vais ouvrir un peu plus le robinet du général. Bon, mais il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite. Donc là, c'est que de l'eau froide pour le moment. Okay. Donc, ça c'est bon. Donc, là j'ouvre le gaz. C'est bon. Donc, là je mets le bouton. Alors, le mode banque-poids c'est quoi déjà Ah, oui, c'est là. Donc, là je regarde la chaudière. Donc, là on va entendre le bout du gaz, impossible. La veilleuse vient de s'allumer j'attends que ça chauffe le thermocouple 30 secondes j'attends encore un peu et après je mets à fond voilà donc ça c'est la position de fonctionnement on entend le gaz qui passe maintenant je vais allumer Le bouleur s'allume, mais après on voit que la flamme n'est pas très grande donc après ça se règle avec ça. Mais là je vais remettre le cache. Donc ce que je voulais dire, c'est que pour régler la puissance de la flamme du brûleur, suivant le débit d'eau chaude qui passe à l'intérieur là, c'est avec ce bouton de tournant que l'on règle la force de la flamme. Donc ici c'est pour allumer ou éteindre la veilleuse et pour autoriser ou pas la marche du brûleur. Et la pièce qui me manque, elle est ici là, celle que je dois changer, le régulateur d'eau. Donc ça aussi ça permet de régler le débit d'eau chaude ça c'est pour régler le débit d'eau chaude qui passe dans la chaudière et ça c'est pour régler la puissance flamme du brûleur plus, plus de flamme, moins, moins de flamme. donc bon l'eau chaude il y en a c'est pas le souci le problème c'est qu'elle est trop chaude donc euh, ce qu pas là, que je de c'est bon, que l'eau chaude se règle ici là et le problème c'est que si, si tu mets un petit peu d'eau froide de suite, ça se coupe. Donc ça c'est le, ça c'est le régulateur. Ça, ça c'est le régulateur. C'est lui C'est lui qu'il faut que je change là. Donc j'ai commandé la pièce, mais je l'ai pas encore reçu, Parce qu'en principe, quand tu changes un membrane, tu changes ça là. Parce que tu as, c'est une tige avec un ressort à l'intérieur et bon voilà quoi. Il faut le changer. Cette pièce là. C'est avec ça qu'on règle le débit d'eau chaude. Voilà. Donc là, il y a l'eau chaude. C'est mieux que de chauffer l'eau chaude dans une gamelle pour, par exemple, faire la vaisselle ou pour se laver. Hein. Pour se laver à l'eau froide, c'est possible, mais c'est du Donc, quand tu as un petit débit d'eau chaude qui sort de ton robinet alors que ici, tu as un gros débit d'eau froide, par exemple. Donc, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais je vais le faire maintenant. Ça, ça se dévisse, ok Et dedans, tu vois, il y a plein de saloperies là. Donc, ça, ça réduit le débit. Ça réduit le débit d'eau, et donc, euh, qu'un petit débit d'eau chaude, et avec ce type euh, de chauffe-bain là, donc euh, chauffe-eau, gaz, pour faire de l'eau chaude instantanée. Bien, dès que tu mets un petit peu l'eau froide, euh, l'eau chaude peut se couper. Ça, il faut pas l'oublier ça. et C'est vrai qu'on le voit là, dans le réseau, il y a plein de merde. Hein. T'as beau nettoyer euh, régulièrement, t'as les saloperies. C'est vrai que ici, dans cet appartement-là, il n'y a pas de filtre, donc euh, toute la merde ça vient finir dans le diffuseur du robinet donc ça il faut le faire aussi dans la salle de bain donc c'est tout con hein, mais il faut y penser c'est vrai que bah, euh, ce que je disais dans la vidéo juste avant j'y ai pas pensé et donc là ça coûte mieux là je suis sur l'eau chaude on voit que le débit est pas mal là et bien même et après pour régler la puissance de la flamme ça se fait ici donc là je vais en parler un petit peu là je sais pas si on le voit là. donc ouais on voit la flamme c'est quand je tourne donc le réglage après de la puissance flamme se fait ici là, avec ce bouton là là si je tourne comme ça on voit que la flamme augmente donc après ce bouton là ici il y avait un repère là mais ce repère il bidon parce que bon, on va voir la doc Là, tu vois, je tourne. La flamme a diminué, ça fait beaucoup moins de bruit au niveau du voleur. Si je mets à fond, là je mis à fond, ça fait un bruit, euh, ça fait un bruit, euh, ça fait peur. En gros, tu peux monter jusqu'à 65 degrés Celsius au niveau de la flamme, mais ça, je vais en parler, euh, je vais en parler de ça. Donc c'est avec ça que tu règles la puissance de la flamme. Malheureusement, ça, il n'y a pas de détrompeur. Donc, il faut trouver euh, où est la butée, j'ai envie de dire minimum. Et où est. Euh, donc, je veux dire, ce que je veux dire, c'est où est le, la puissance maximum et la puissance minimum. Donc, euh, dans doc, le 4, c'est la puissance maximum. Alors que là, il était réglé sur 1. Donc, à la limite, il faudrait le faire comme ça, tu vois. Donc, là, théoriquement, je serais. Je serais au minimum, là. Parce que là, j'ai mis l'eau chaude à fond. J'ai mis l'eau chaude à fond et là on voit que bah je l'eau chaude à fond et on voit que bah, le bouleur ne s'allume pas. Et là qu'il faut tourner dans le sens horaire. Pour mettre de la puissance, Alors, le volant s'est allumé. Voilà, donc, euh... donc quand je tourne ici, on voit que bah, 4 voilà, c'est minimum. 4 ici, là, c'est euh, la puissance minimum. Et puis tu te rapproches du 1 et puis tu vas monter en puissance. Je sais pas si on le voit, ouais. Voilà, donc ça après il faut aller à la doc, mais après euh, comme la doc fait plusieurs modèles, je lui dis, après il faut tester sur sa machine. Ok pour ça. Alors vite fait parce que ça on le verra dans la prochaine vidéo lorsque je vais changer le régulateur d'eau, je refais un réglage complet de la machine. Donc sur la notice que j'ai trouvé sur internet, qu'est-ce que l'on a ici réglage d'eau chaude. Donc la température, la température de l'eau chaude obtenue varie selon l'ouverture du robinet d'eau chaude. Donc plus tu ouvres ton robinet d'eau chaude, plus il y aura du débit. Donc plus il faudra de la puissance pour chauffer ton eau. Pour avoir de l'eau très chaude, 65 degrés Celsius environ. À petit débit, ouvrez légèrement le robinet de puisage au chaud. Donc 65 degrés c'est énorme. Hein. Tu te brûles à cette température là. Ça, c'est par exemple, euh, si tu as de la graisse partout euh, dans tes casseroles. C'est quoi pour dégraisser Ça peut être pratique, mais bon, là c'est trop élevé. Là, tu te brûles. Donc ils disent que pour avoir de l'eau très chaude, 65 degrés Celsius environ à petit débit. Ouvrez légèrement le robinet de puisage au chaud. Ok, pour avoir de l'eau tiède à grand débit, ouvrez légèrement le robinet d'eau chaude et tournez la manette gaz 8. Donc, ça c'est le bouton pour euh, allumer la chaudière et l'éteindre. Donc, il faut ouvrir légèrement le robinet d'eau chaude et tourner la manette gaz 8. Donc, c'est celle-là vers le repère A. Vers le repère A, vous diminuez ainsi la consommation de gaz de votre chauffe-bain. Cette façon de procéder est préférable plutôt que de mélanger de l'eau froide à de l'eau très chaude. On diminue ainsi le dépôt de calcaire dans le serpentin. Et ça c'est vrai parce que c'est un chauffe-eau instantané on fait de l'eau chaude instantanée donc ça sert à de chauffer à 60 degrés si tu dois couper après euh, cette eau très chaude avec de l'eau froide autant chauffer directement si c'est possible à 45 degrés voire 40 degrés parce que là il n'y a pas de problème de légionnelle vu que c'est de l'eau instantanée de l'eau chaude instantanée c'est pas un cumulus un chauffe-eau électrique où il y a un stockage d'eau où là tu as besoin de chauffer à une certaine température pour éviter un développement de légionnelle et de diverses bactéries donc oui, ce bouton après si tu le mets ici, bah tu arrêtes le brûleur, tu coupes la vieilleuse. Ça c'est le 8 et l'autre là le 9 il est où lui D'accord. Donc là cette documentation, c'est pour un autre chauffe-bain qui est un peu différent du mien car moi j'ai comme on l'a vu là le bouton 1 2 3 4 car on le voit ici là sur ce modèle-là, il y a juste le bouton donc pour Éteindre la, la veilleuse, le brûleur. Là, on l'allume et après là, on met la puissance. que moi, j'ai un autre bouton ici. J'ai celui-là et celui-là ici. Donc c'est là où tu vois qu'il faut se méfier des documentations hein, car sur la chaudière, j'ai bien écrit en désignation Bayard 13 CF et sur la documentation que j'ai trouvé sur internet, tu as bien écrit Bayard. 13 CF, chauffe-bain à gaz de 13 litres minute. Et pourtant, comme on peut le voir sur celle-là, on voit qu'il n'y a pas de boutons, mais il n'y en a qu'un seul. Donc, ça, on l'avait vu lorsque j'ai présenté la vue éclatée de cette chaudière. Donc, j'avais bien le 123, le bouton gaz. Donc, c'est ce qui est actuellement sur la documentation et c'est le bouton que l'on peut voir là sur la photo à droite. Par contre, il y avait aussi le bouton 108. Donc, celui-là où il y a écrit 1, 2, 3, 4, qui est le bouton sélecteur de température. Donc, on peut voir que le modèle Bayard 13 CF, euh, qui a été créé en 1979 et dont la production s'est terminée en 1987, et eh bien, il y a eu plusieurs euh, versions. Alors, c'est probablement la 13CF1F et la 13CF2F. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire 2F, peut-être pour deux boutons. En tout cas, moi, je, j'ai juste au niveau de la désignation Bayard 13CF et c'est tout. Après j'ai catégorie 2, donc ça c'est pour le gaz, c'est pour les, les conduits de Après j'ai 2-3, je sais pas ce que c'est. J'ai la puissance utile minimale 11,3 kW, la puissance utile nominale 22,7 kW et le débit calorifique nominal 30,3 kW, pression d'eau maxi de la chaudière qu'elle peut encaisser 10 bars, Chaudière de type B, voilà. Donc en conclusion, euh, je rappelle que intervenir sur une chaudière de 40 ans, c'est quand même assez sensible, dans le sens où elle peut te claquer entre les doigts lorsque tu manipules par exemple le sélecteur qui permet de régler la température de l'eau chaude. C'est-à-dire que tu vas le tourner, si tu tentes vite, il peut se mettre à fuir. Donc c'est ça, l'évier chaudière, hein. ça fuyait pas, tu touches, ça fuit. Donc c'est ce que j'ai dit au propriétaire. La réparation a été effectuée, mais peut-être que dans 6 mois, une autre pièce lâchera et que la pièce ne se fera plus, ou ne se fait déjà plus, hein, comme l'échangeur ou peut-être le blocage ne se fait plus, je sais pas, et qu'il faudra... Remplacer sa chaudière. Donc, soit on remet un, un chauffe-bain au gaz ou soit carrément le virer et passer sur du chauffe-eau électrique à accumulation. Comme ça, au moins, tu payes plus l'abonnement gaz, tu payes plus le gaz et tu payes plus l'entretien de la chaudière gaz. Après, il faudra changer la gazinière et mettre des vitro-céramiques. Et vu que le gaz, c'est pas une technologie d'avenir, actuellement, il faut y penser en rénovation. Euh, bon, la chaudière, je vais remonter. L'eau chaude fonctionne. Donc, c'est vrai que c'est cool d'avoir l'eau chaude hein, car euh, comme il n'y avait plus d'eau chaude et j'ai voulu tester la douche froide. Mais bon, quand as de l'eau à 13 degrés, 14 degrés c c'est violent. C'est violent. Actuellement, il y a une mode sur YouTube, là, des gens qui prennent euh, des douches froides et des bains froids. En tout cas, ce que je sais, c'est quand tu veux prendre une douche froide, il faut une préparation psychologique parce que ça agresse. Donc, l'origine de la fuite, eh bien c'était la membrane qui était déchirée. Donc là, on la voit bien sur cette photo, la déchirure. Là, on peut voir une autre photo, on arrive même à lire la référence qu'il y a sur la membrane, 25809-30. Donc maintenant il me reste à changer le bloc 215 là, donc le régulateur d'eau, donc j'ai commandé la pochette, et à recevoir mes joints pour changer les joints, dont le joint qui fuit sur l'arrivée d'eau froide. Ça on le verra dans le prochain épisode, show 235